Sans transition, d'ici 2050, les accords de Paris sur le climat imposent une réduction de nos gaz à effet de serre d'un facteur 7. Du côté de l'énergie, il faut envisager une très probable diminution de 8% de l'approvisionnement en pétrole à l'horizon 2030. Les Français vont donc être obligés de faire plus avec moins et ainsi augmenter leur résilience. Finalement, notre pays va devoir trouver ce que certains appellent déjà son facteur résilience. On n'est pas prêt!